Salut tout, nous sommes pour un 11e, 2e épisode sur Maneater avec notre gros requin qui, si je me souviens bien, était devenu. Ah, je suis méga carrément. Je croyais que j'étais ancien. On va essayer d'avancer doucement et sûrement vers la fin de l'histoire. On n'a pas encore tout fini, clairement. Je sais pas si je vais finir d'autres trucs beaucoup ou pas. Je ne sais plus exactement ce que je faisais. Terminer Sable Prosper. Chasser, contrôler la population. Là, j'ai un chasser. Détruire la cible. Dévorer des humains. Ok, on peut faire ça. Maintenant, ah oui, c'est ça, je suis monté au niveau 30. Maintenant, je dévore tous les poissons que je trouve. Il y a quand même des orques niveau 45. Je suis officiellement un méga requin. Il me reste des trucs à améliorer encore, mais. Successful shark hunt is traditionally celebrated with off-brand cinnamon whiskey and large quantities of pseudoephedrine. Ça commence haut en couleur cet épisode. Tant mieux, j'espère que vous appréciez. Ah, c'est un plongeur. In town got that mango butterfish and swim I like. Ça marche bien de retomber sur les bateaux. Je trouve. Pas forcément facile, mais. C'est risqué d'envoyer des plongeurs, hein. Vous savez que je les dévore facilement. Alors, il y a des chasseurs, il y a des non-chasseurs. C'est mieux si j'attrape les bons. Ça va, je régénère bien pour l'instant. Alors, il y a du plongeur. The bull retreats to the grotto for refuge and quiet refuge. Encore la musique de la grotte, alors que c'est plus du tout la même ambiance. Il y a en permanence des. Bateau assez incroyable. Je vais finir par me choper un. Comment ça s'appelle? Un chasseur spécial qui survit assez longtemps. Je pense qu'il faut que je tombe depuis vraiment très très haut pour faire beaucoup de dégâts. C'est déjà pas mal comme ça. Je peux aussi donner des méga coups de queue maintenant, je me rappelle. Ah,
sort bien niveau vie. Alors, on a The Toast of the Coast, Lieutenant Shannon Sims. Un super chasseur, c'est bon. Il est un peu plus sérieux que certains des précédents qu'on a eu. C'était pas mon meilleur move. Ah, il y a un point ici, on va le choper. In the not so distant future, a young visionary entrepreneur will spot these three shells while snorkeling and revolutionize after toilet care. J'ai plus assez de vie. C'est un peu un comble de se retrouver à manger du mako pour régénérer, mais bon. Allez, crois qu'on veut. J'essaye de jouer avec les... Ok, avec les bordures. Ils sont censés me mettre hors de portée des rayons. Hop, ça les coupe pendant un instant, ça m'évite d'avoir à esquiver, ce qui coûte de l'énergie. Alors, on a encore un plusieurs chasseurs. Sometimes one can but only laugh at man's helplessness and the situation has escalated and the price of the shark's head has risen. C'est que j'ai montré avec des bestiaux encore plus des humains encore plus vénères. C'est ça, on va peut-être se faufiler dans notre grotte et puis voilà. Oh, ça régène bien ça. The grotto provides a brief respite. From the Sturm und Drang. Ah, mais j'ai pas tué le super chasseur. Pas celui que je suis censé chasser justement. Hop, Jalo. Si j'ai tué le super chasseur, non je crois pas. Ça va, j'ai réussi à régénérer. Alors... J'ai encore mon sonar, ouais. Chasseur qui est encore en état visiblement.
Ah, on peut faire se collisionner les bateaux aussi. Pas forcément le premier truc auquel je pense. Allez, au revoir le bateau. Si je l'ai dévoré le super chasseur. Je crois pas. The bull shark affirms her reputation as the most dangerous shark in the world. Petite pause. Elle me dit qu'en évolution nécessite la trousse caisse et d'être de niveau 35. J'ai l'impression que je suis bloqué au niveau 30, mais peut-être que je me trompe. Ah si, je l'ai tué tellement vite que j'ai... Ah, mais c'est à ce moment-là que j'ai monté niveau d'infamie, suis-je bête. Et on est déjà relativement bien pour monter au niveau 8. On va peut-être faire un épisode où on va surtout dévorer des humains. Moi je suis censé pouvoir leur envoyer. Je maîtrise pas du tout. À manger là. Ok, on va tenter de se replier. The peace of the grotto enables the shark to approach the world with greater confidence and effectiveness. Est-ce que ça me régénère la grotte ou pas? On dirait pas. Mais je suis censé être tranquille. Verrouillé. Pourquoi il me le fait clignoter alors? Ah, j'ai chopé des nouveaux organes. Peut-être me débarrasser de mon sonar un jour ou l'autre. Plus de santé, plus de résistance au renversement par bateau. Plus 60 de résistance au renversement de l'équipage du bateau. Ça a pas l'air d'être un truc pour moi, mais bon. Eh, la barre de santé, j'ai l'impression qu'on a fait une barre complète et qu'on est revenu au début. C'est pas possible. Ah, mais peut-être que c'est ma santé actuelle. Oui, actuellement, j'ai quasiment pas de santé. Et après, j'ai glande surrénale, vitesse max, vitesse d'esquive. Bon, en avant, ça a l'air plutôt pas mal. On verra exactement ce que je fais monter. On a des humains à dévorer. Un truc à aller voir par là-bas. On va attendre que la recherche s'arrête. J'ai assez donné de ma personne. C'est la première fois que je survis, je crois, à ce niveau de vie. En me réfugiant dans une grotte, ça c'est sûr. J'ai peut-être déjà survécu à ce niveau-là. Alors... Ah si, tout à fait. Shark's propensity to clear the ocean of its assorted detritus is one of their most valuable functions. C'est pas comme si j'avais vraiment besoin de
minéraux, mais bon. Un truc là. Je pense que c'est eux que je dois avoir. This trawler, operated by Roger Cantrell, recently broke the state record for number of revocable commercial fishing offenses. Alors, pas besoin de passer au niveau de menace suivant. Quelle est ma quête? Alors, contrôle la population. Tu es le prédateur suivant, un sable prospère. On va focus le prédateur alors. Le barracuda. Réglé. Et on est full vie. J'aurais peut-être dû monter complètement ma menace, comme ça j'aurais déclenché une intervention. Parce que là, la prochaine fois que je vais croquer 2-3 humains, ils vont me tomber dessus direct. Grand requin blanc chassé. Si je peux le croquer déjà. Il a pas l'air ultra réactif. Je l'ai tellement croqué que il est tout électrifié. C'est quoi le truc? Oh, c'était beaucoup trop facile. Bon. Ainsi soit-il. J'ai pas tué le prédateur de sable prospère. Normalement si, mais il y en a un nouveau. Il faut que je termine contrôle de population. Là-bas, très bien, c'est dans la même direction. Alors on a des trucs à choper. Je vais pas aller fouiller toutes les grottes. When it was discovered that their Stonehenge replica was astronomically misaligned, enraged Port Clovians threw it in the ocean. Ça ressemble au Stonehenge. Mais qui, à mon avis, était sur le vieux continent, pas du tout aux États-Unis. Ah, c'est ça que je dois choper? C'est juste un autre grand requin blanc. Qui est complètement amorphe. Comme son pote. Je sais pas ce qui leur arrive au requin. Qu'est-ce que on leur a fait? Pourquoi ils sont tous morts comme ça? Problème de pinnipède. Je ne savais pas que les pofocs étaient des pinnipèdes. Alors il y a un mago qui a pas tout à fait compris la vie là. Alors
grand requin blanc. Pour moi, l'abondance de phoques, c'est vraiment un faux problème. C'est de la nourriture pour régénérer. Alors, encore un prédateur. Où est-il d'ailleurs? Logiquement par là, oui. Égouts. On va se refiler. Bon, j'arrive pas à plonger ici. C'est une grille infranchissable. Je pourrais aussi manger des humains. Vu que c'est une de mes. Un de mes objectifs. Ils sont tous rassemblés, ça tombe bien. The shark will have to be cautious until the hunters grow bored. J'ai plus d'eau par contre. Allez. Every summer, Port Clovis plays host to the Megasonic Electro Carnival, giving a real... Don't know nothing about no raves. Were you throwing a fatal door on the beach at night? You just asking to get bit. Alors on va tenter de s'enfuir. Really a gourmand. The bull shark will eat just about anything. Attends, c'est ça ma cible? Alors voilà. Oh là là. Les goûts et les couleurs. Bon jeu de mots. Alors, du coup, journal. Il y a encore des prédateurs à tuer. Eh ben on continue. Oh, qu'est-ce que c'est tous ces plongeurs? This instantized protein makes a great between meal supper, giving the shark the energy she needs to put on serious mass. Alors théoriquement je peux en saisir un. Et après l'envoyer valser. Si j'arrive à toucher un copain, je vais pouvoir faire plus de dégâts, mais ça demande de viser et tout, c'est plus simple de juste prendre. Okay.
poissons. On passe. Ah, je fais moins de dégâts avec la queue qu'en croquant. Je pensais pas. Ah, du coup, j'ai tué trop de plongeurs, maintenant je suis en recherche. Bla bla bla, late stage capitalism. C'est lui que je dois manger? Non. Si, c'était ça? Ah non, il est là-bas. Après, quand j'aurai affronté tous les méchants, je ferai peut-être un épisode par zone à fermer, ou un truc comme ça. Mako, que fais-tu là? C'est fait. Tu es le prédateur suivant. Il y en a tout un tas des prédateurs. Oui, mais où est-il? Il est censé être à Sable Prospère, c'est là. Je ne sais pas, bah, je peux aller par là en attendant. Je pense que maintenant j'ai la capacité de sauter haut comme ça. Les doigts dans le nez. Ah, je suis encore en recherche. Water along Caviar Key is frequently described as gin clear. Which reminds me, I could go for another Singapore sling. The bull shark is able to attain larger maximal sizes through selective feeding. Qu'est-ce que c'est? If you're like me, oh, y a des fleurs de lys. Wondering what their secret is for such durable papier mâché. Oh. Ah, c'est en papier mâché. But this is a mere pause in the eternal struggle between man and nature. Oh, un autre. Une autre plaque. Je suis peut-être capé au niveau 30 en attendant d'avoir fait autre chose. Ah, j'ai quitté la zone, mince. C'est ça! Non? Non, c'est juste un point de repère. Je suis passé à quai à caviar. Je peux revenir en arrière et tuer. Mais c'est pas un prédateur, ça, c'est des gens à dévorer. Ouais. Ah, il est là! Ancient Greeks believed that King Poseidon ruled the waters, whereas here at Prosperity Sands, they're ruled by Luxury Leisure Groups International. Je pourrais tuer des humains sur le chemin. Unaware, the noose around its neck tightens thanks to a crack team of shark hunters. Question. IX is full dog day boated painted sails. But, you know, so do a lot of other New York couillons. Alors, on a
plaque à choquer, à choper. Ils m'ont perdu de vue alors que je viens de faire un bond devant eux. Ouais. Ils sont pas très très bons. Oh. J'ai cru que j'allais devoir manger le phoque. Papa. Il est censé être costaud. Mais je peux le croquer. Spans are short. They've already forgotten about the shark and her many crimes, so ah, c'est ça, c'est l'électricité qui les paralyse. Et après, bon, ça devient des proies faciles pendant 3 secondes en théorie. Il est plus rapide que moi sur certains mouvements. Mais comme il fait pas beaucoup de dégâts et qu'il me laisse le dévorer. The Great White is often referred to as the King of the Ocean, which gives it a skewed understanding of the role of a monarch in modern society. Oh, j'ai débloqué la queue. Si j'allais dans une grotte, je pourrais assembler la queue osseuse. Très bien. Est-ce qu'il me reste à aller voir pile les cailloux et c'est juste à côté. Pete, what's in the barrels? Fish food. Pete, whatever this is, can I ask you not to do it? I'm gonna get that shark. One way or another. It's just that this is unnecessarily destructive. I mean, it's just one shark. There's a whole ecosystem. One shark that killed my boy. Oh là là. Look, I une vraie tête de méchant maintenant. Wanna keep talking on this, not you. Ah bah oui, c'est vrai, on a mangé son fils. Alors, le retour du fameux bug où je ne vois rien du tout. On va aller à la grotte. Je ne vois toujours rien. Ok. À bientôt dans le prochain épisode.